Nous nous retrouvons pour un nouveau Grand Prix. Les conditions sont idéales pour pimenter la course dans cette partie du monde et nous avons hâte que ça commence. Et salut tout le monde, c'est Jean Tiger Shark, je lance une nouvelle vidéo sur les F1 eSports Series, puisque ça y est, les qualifications pour cet événement en 2019 sont terminées, et personnellement j'ai pris part à la première partie qui se déroulait en Chine, dans la Renault de Nico Hülkenberg. Vous voyez qu'ici on met un réglage, nous sommes à la 6ème position, et l'objectif est de rattraper et de dépasser Lewis Hamilton afin de terminer 5ème. Ensuite, on pourra se rapprocher de Max Verstappen, qui est lui 4ème, mais avec une pénalité. Donc l'objectif, c'est de finir 4ème en faisant les chronos les plus rapides possibles. Sachez que pour cet événement, c'était la première fois que j'utilisais la boîte manuelle. Pourquoi j'ai fait ça ? Même si j'étais peut-être un tout petit peu moins rapide, ça rapporte beaucoup plus de points d'enlever le maximum d'assistance. Donc du coup, vous voyez, enfin vous allez voir tout simplement tout le long de la vidéo qu'il y a des passages de vitesse un petit peu compliqués, mais pour une première fois, je suis plutôt content de ce que j'ai fait. Et donc on a déjà un record du tour de Pierre Gasly en 1:34.1. Alors je vous le dis dès maintenant, on ne pourra pas aller chercher Pierre Gasly. En moyenne, en tout cas dans les essais précédents, je tournais dans le premier tour puisqu'il était un peu plus lent en 1:36.1 parce qu'on nous relâchait un petit peu bizarrement, bref, peu importe. Et ensuite entre 1:35.2 et 1:35.5. Donc voilà, on a les objectifs de chrono. Maintenant l'objectif c'est d'aller les battre. Vous voyez qu'on est en train de boucler le premier tour, mais que en réalité, en plus de devoir rattraper Lewis Hamilton, on va devoir également contenir Sébastien Vettel. Pour l'instant, il est un petit peu loin pour tenter une attaque, mais il va tout de même falloir faire attention à la Ferrari de l'Allemand, et on va arriver sur la fin du premier tour. Le virage ici, le dernier, est très délicat, puisque même s'il n'est pas très compliqué à prendre, si on coupe, on prend un avertissement, et là c'est fini, vous n'avez aucun point. Et on a tourné en 1:35.8, un énorme premier tour, 3 dixièmes de plus vite que d'habitude. C'est très très bien, et en plus on est en énorme amélioration dans le premier secteur. Ici, le deuxième, c'est assez intéressant. On arrive, il me semble pas qu'on ait levé le pied, on est passé à peu près à fond dans le premier. C'est pas mal du tout. Ici, hop, on tombe de vitesse, on passe en troisième, et ensuite on remonte. Pour les montées de vitesse, je faisais ça, oh attention, petite glisse. Je faisais ça au son du moteur, donc bon, bah voilà, vous entendez que tout n'est pas parfait. Et à la fin du deuxième secteur, on a amélioré de 7 dixièmes. Et sur la ligne, on n'améliore pas plus, mais c'est très bien déjà. 1:35.1, c'est un très bon chrono puisqu'on est plus rapide que mes chronos habituels. Et vous voyez que ça y est, on aperçoit la Mercedes de Lewis Hamilton juste devant nous. On prend la deuxième partie de l'escargot, on va réaccélérer. C'était honnêtement, sur toute la durée, assez difficile parce que même s'il n'y a que 5 tours, hein, vous voyez que la vidéo est pas très longue, et bah ça reste quand même assez dur, c'est 15-20 minutes de course, mais c'est franchement, oh, 15, j'habite peut-être quand même un petit peu, c'est 10-15 minutes, mais il faut rester concentré et vous avez une certaine pression et donc vous voulez pas faire la moindre erreur. Vous voyez qu'après le deuxième secteur, on est en amélioration de 83 millièmes de seconde, oui bah voilà. On vient de complètement se louper là dans le dernier virage. On a perdu au moins un dixième et demi, c'est dommage. Mais est-ce qu'on peut tout de même tourner en 1:35.2? Ce serait pas mal. On prend ici un petit peu d'aspiration sur Hamilton, mais je suis pas sûr que ce soit vraiment suffisant. Et le freinage, on a freiné un peu tôt, on laisse, et ben voilà. Parfait, on loupe la corde, on a freiné un peu tôt, du coup on a relâché légèrement. On loupe la corde et on va arriver dans le dernier virage d'un troisième. Oh là, oui d'accord, donc troisième secteur vraiment pas terrible. Et sur la ligne, on va être en 1:35.4, voilà, le chrono était pas fou et on est maintenant pas très loin de Lewis Hamilton, il va falloir essayer de s'en débarrasser plutôt rapidement et on va tenter par l'intérieur. Oh, si ça passe c'est joli, c'est pas mal, un petit contact mais ça passe. On reprend, enfin on prend la cinquième place sur l'anglais, sur Lewis Hamilton, et on est maintenant à la poursuite de Max Verstappen. Ce premier virage qui est vraiment assez agréable à prendre quand vous arrivez à le prendre, enfin c'est-à-dire que si vous vous ratez, c'est vraiment une horreur. Mais si vous êtes dans la trajectoire parfaite, c'est vraiment bah, pas mal de plaisir. Et à la fin du tour, on est en 1:35.000 et 0:00.
C'est pas mal du tout. Je peux même vous le dire, c'est le meilleur chrono que j'ai fait sur tout l'événement. Et on est dans l'avant-dernier tour où on a fait un très mauvais deuxième secteur. Autant le premier, on avait que 33 millièmes de retard, mais là 4 dixièmes. Je pense que ça veut dire que dans ce 54e tour, on a dû faire un énorme dernier secteur, deuxième secteur, pardon. Mais je pense ici au dernier secteur qui commence pas trop mal. On n'a pas trop mal pris le deuxième escargot, comme on peut l'appeler. Et on est en 1.35-201 sur la ligne, c'est pas mal du tout. Et le dernier tour, je pense qu'on va à peu près le vivre ensemble. Oh, attention. Ouais, et là, vous voyez, par exemple, ce premier virage, on l'a un peu mal pris puisqu'on n'est pas rentré dans la trajectoire parfaite. Donc, on a dû freiner un tout petit peu. Et bah, c'est un petit dixième de perdu. Et un petit dixième, Dieu sait qu'en Formule 1, c'est extrêmement important. On est maintenant à la fin du premier secteur, un dixième de retard. Bon, si c'est un dixième de retard à la fin du tour, c'est pas mal. Mais pour l'instant, c'est un dixième de retard à la fin du premier secteur. Il va falloir faire un bon deuxième secteur parce que il avait été très bon dans notre record du tour. Vous voyez qu'on est plus capable de le prendre à fond, ce virage, c'est le 7 il me semble, mais je suis pas sûr. Du coup, je vais réfléchir, magnifique. On n'est plus capable de prendre à fond, tout simplement. Les pneus sont usés et donc ils n'ont plus l'adhérence nécessaire pour tourner à fond dans un gauche aussi rapide. Et vous voyez qu'on a 3 dixièmes de retard à la fin du deuxième secteur. On a perdu en soi que 2 dixièmes, donc c'est mieux que dans le dernier tour. Et le troisième secteur de notre record était moyen, donc on peut peut-être le battre. Il est pas trop mal pris, l'escargot. J'arrive pas à prendre, vous voyez que moi j'utilise la trajectoire. J'utilise vraiment en général juste pour les points de freinage, mais là ça me perturbe parce que je n'arrive pas à prendre exactement la même dans ce virage. Bref, c'est pas extrêmement grave et on arrive sur l'avant-dernier freinage. Vous voyez qu'on aura pas mal rattrapé Max Verstappen et normalement, s'il a bien sa pénalité, on devrait le battre. Le dernier virage, attention à ne pas couper, c'est parfait, on assure. Attention sur l'extérieur tout de même. Et c'est terminé. On va finir donc logiquement à la 4e place. Voilà, parfait. On n'est pas sur le podium, mais on a rempli l'objectif. Voici les 3 premiers qui approchent du podium après un Grand Prix palpitant. Ça y est, la tension est retombée et il est temps à présent de savourer cette belle victoire. Un grand bravo à ces pilotes pour la course qu'ils nous ont offerte aujourd'hui. Les points. Oh, 189 000. Eh bah écoutez, pour moi c'est pas mal du tout. J'ai pas du tout la prétention d'être un énorme joueur, mais mon ancien record devait être, mon précédent score devait être autour de 184 000, 185 000. Et vous voyez donc on est 654e au classement. Mais je peux vous dire que parmi les personnes qui se sont inscrites sur le site des F1 eSports Series, qu'il y a ceux qui participent juste à l'épreuve et ceux qui, comme moi, se sont inscrits. Alors que vous voyez donc qu'on termine 4e et que notre coéquipier est 9e et que donc Verstappen a bien une pénalité. Et donc parmi ceux qui se sont inscrits sur le site, nous terminons à la 313e place, ce qui est pas mal du tout. Je vous parlais tout à l'heure du fait de ne pas avoir d'aide. Regardez juste au-dessus de nous, à la 651e position, on a quelqu'un qui était 6 secondes plus long que nous, mais tout simplement, il n'avait aucune aide, même si la difficulté était à 101. Il n'avait aucune haine. Bref, sur ce, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez participé au F1 eSports Series. Si oui, quel était votre résultat? Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!